Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dose d'actualité, et pour être au parfum des autres actus quotidiennes n'oubliez pas de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, top c'est parti. La marque appartenant à Oppo s'est rendue sur le réseau social chinois Weibo pour annoncer le lancement du OnePlus Bud 3, à 14h30 heure locale le 4 janvier. Apparemment, grâce à ce lancement uniquement en Chine, OnePlus est sur le point d'apporter une réduction de la qualité sonore dans cette gamme de prix. Naturellement, il y a là un peu de magie de la traduction automatique, mais la promesse d'une qualité sonore phare semble assez claire. Nous avons également un aperçu clair des nouveaux écouteurs en deux couleurs distinctes, bleu et noir. Sans surprise, ils ressemblent beaucoup au OnePlus Bud Pro 2, dont nous avons constaté qu'ils avaient un ANC impressionnant, une très bonne qualité d'appel et de bon niveau de confort lorsque nous les avons examinés plus tôt en 2023. Comme le souligne 925 Mac, le fuyard Evan Blass a récemment offert un aperçu de la fourniture complète du OnePlus Bud Pro 3, ainsi qu'une vidéo promotionnelle apparemment officielle décrivant de nouvelles commandes de volume tactile et des gestes de pression. Lors de cet événement du 4 janvier, nous nous attendons également à ce que OnePlus annonce le OnePlus S3, qui est la version chinoise du OnePlus 12R. La marque chinoise a confirmé l'autre jour le design de ce flagship abordable. Ici, en Occident, nous nous attendons à ce que le OnePlus 12R prenne sa place aux côtés du OnePlus 12 lors d'un événement de lancement mondial le 23 janvier. Vraisemblablement, les OnePlus Bud Pro 3 se joindront également à la fête.